questions, ils sont trop chauds. Petit disclaimer, cette vidéo a été entièrement tournée, mais n'a pas été sauvegardée dans son intégralité à cause d'un bug de téléphone. Vous aurez donc le son, mais pas l'image. Ça ne change rien au résultat. Bon visionnage. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un huitième de finale qui opposera Sarah Sizik, sociétaire de l'ACBB, et Loïc Pietri, sociétaire de Loginis. Salut, comment ça va ? Salut. Ça va, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ça se passe bien le confinement ? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Oui, qu'on aime bien le nouveau look, c'est sympa. Bon, je rappelle les règles. Un quiz, 9 questions. Le premier qui répond emporte le point. C'est bon pour vous ? Ouais, ok, ça marche. C'est parti. Première question. Au Jeu de Londres en 2012, qui a gagné la médaille d'or en moins de 48 kilos ? Sarah Lévis. J'ai pas écouté le nom de Loïc, j'en peux plus de toi. C'est bon. Tu veux me faire gagner ? Non, parce que là, t'as failli perdre. Hein. Oh là là, je suis noire. Non. Dommage que ce soit pas en portugais, que Sarah, elle comprenne pas, punaise. Elle comprend. Je lui enverrai. Ouais, elle va me voir, t'inquiète. Un point pour Loïc. Deuxième question. Pour quel pays combat Rustam Orujov ? Un point pour Sarah. Merde. Loïc. J'entends Alexandra qui encourage Loïc derrière. Un partout. Troisième question. Combien de titres a Gebre Zeman, le champion du monde? Oui. Oh, bien joué. J'avais même pas précisé lequel. Du coup, ça fait un point pour. J'avais des questions sur les filles, tu veux me faire perdre. C'est bon, Loïc, t'as été le plus rapide. Ça fait 2-1. Alors. Quatrième question. De quelle couleur est la ceinture d'un 9e dan? Rouge. C'est ça. Ouais. Ça fait 3-1 pour Loïc. Cinquième question. Avant le confinement, où devaient avoir lieu les championnats de France par équipe? En Bretagne. Ah ouais, putain. Non, c'est en Bretagne, à Brest, c'est ça. Juste Bretagne ou on fait une autre question? On mettra une autre question parce que Bretagne, c'est vaste quand même. Ouais, allez, vas-y. Voilà, donc on reste toujours à 4-1, ok? J'ai eu peur de lui donner la réponse en disant Bretagne. J'avoue, t'aurais pu enchaîner, Sarah, dessus. Qui a été la première femme championne du monde de judo? Française. Rodriguez. Championne du monde. Première femme championne du monde de judo. Brigitte Dieu. Je vous donne d'autres indices. C'était en 1980 à New York. Bah, ça m'aidera pas là. Dernière chance, Sarah, concentre-toi. C'est sûr, vous l'avez déjà vue, elle est venue à l'INSEP il n'y a pas si longtemps, ils ont parlé d'elle il n'y a pas si longtemps en plus à l'INSEP. Bon, allez, je donne la réponse. C'était Jocelyne Triadou. Ah, je connaissais le nom, mais je n'aurais pas réussi à le dire. En plus, je l'ai parlé il n'y a pas longtemps. Bah voilà. C'est pour toi, t'as raté ta chance. Ah, ouais, non, bon, nouvelle question. De quel club est sociétaire Madeleine Malonga? Lesbienne. Yes. Loïc, aucune connaissance des filles. Quelle ceinture vient avant la ceinture jaune-orange? Jaune. Ça, quel mot, Loïc? Par contre, c'est moi, je vais gagner sur ça.
Du coup, on en vient là, ça fait 5-2. On a usé toutes nos questions. C'est donc Loïc qui l'emporte, qu'on va retrouver en demi-finale. Sarah, merci d'avoir participé. C'est un très bon moment. Je vous fais des bisous, bon confinement. Prenez soin de vous et Loïc, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Bisous. Allez, salut.